Dégageons Airbnb de nos villes, remettons les touristes dans les hôtels et les locataires dans les logements, et pas l'inverse. Avant le Covid, à une époque pas si lointaine, il était devenu normal de voir des touristes logés dans des appartements pendant que les mal logés étaient abrités dans des hôtels. Rare réjouissance depuis le début du Covid, Airbnb a quitté nos grandes villes. Auparavant, durant des années, la plateforme avait chassé les habitants des villes pour remplacer leur logement par des locations touristiques de courte durée. Et à cause d'Airbnb, le logement devenait plus rare, plus cher et nos centres-villes devenaient des musées. Dans l'Europe d'après Covid, je souhaite à tous les citoyens d'avoir accès à un logement digne, je souhaite aux hôteliers de ne plus subir la concurrence déloyale des plateformes et je souhaite aux Européens de partir en vacances dans des villes, des vraies villes avec des vrais gens qui y habitent. Alors pour le tourisme et pour les touristes et pour les citoyens, pour les habitants, dégageons Airbnb de nos villes, remettons les touristes dans les hôtels et les locataires dans les logements et pas l'inverse.